Alors, nous sommes de retour pour cette nouvelle conférence et j'ai l'honneur d'avoir un nouvel invité qui est Bruno Bouchard. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors, Bruno Bouchard est le directeur du module d'informatique et de mathématiques, professeur titulaire à l'UQAC. Alors, Bruno va nous présenter trois programmes d'études, le baccalauréat en développement de jeux vidéo, le baccalauréat sciences des données et intelligence d'affaires, ainsi que la maîtrise en informatique, concentration en jeux vidéo. Alors, Bruno, je te donne la parole à toi. Merci beaucoup, Alban. Donc, je vais présenter les programmes du secteur informatique qui sont ciblés pour le Mégamix. D'abord, un petit portrait du département d'informatique mathématique que vous pouvez voir à gauche avec certains jeux qu'on développe. Donc, on a plus de 600 étudiants en informatique sur le campus, dont plus de 250 qui poursuivent des maîtrises et doctorats, beaucoup dans le domaine justement des jeux vidéo, environnement immersif. Système d'interactivité. On a une vingtaine de professeurs-chercheurs chevronnés avec 6 programmes de formation de grade. On a des grandes équipes de recherche avec des millions de dollars en subventions. On fait des recherches dans les thématiques de l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les jeux vidéo, l'ingénierie des logiciels, la sécurité des logiciels, les applications et les optimisations, ainsi que les environnements intelligents et l'informatique pour la santé. On a deux grandes chaires de recherche du Canada et on est en partenariat avec un grand nombre d'entreprises, hein, et on fait de la R&D industrielle avec eux. On a une spécialisation assez poussée au niveau des jeux vidéo, probablement une des plus grosses collaborations au Québec dans le domaine avec l'industrie puis au niveau des programmes. Donc, on a le seul baccalauréat en développement de jeux vidéo au Québec qui forme des programmeurs de jeux. Il y a un programme à Sherbrooke, mais la concentration de cours en développement de jeux vidéo que vous pouvez avoir dans un programme ciblé de baccalauréat de 90 crédits, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Donc, notre programme, qu'est-ce qu'il vise? Bien, il vise à former des professionnels du développement logiciel, donc des programmeurs spécialisés en jeux vidéo. On n'utilise que les outils professionnels que les entreprises utilisent. On collabore avec Game Gear, Ubisoft, Activision, Frima, tous les grands de l'industrie, la Guilde, pour concevoir des programmes qui sont vraiment adaptés, orientés pour l'industrie au Québec qui est florissante. On a d'ailleurs un bureau, un gros bureau d'Ubisoft ici à Saguenay. On a plusieurs chargés de cours de là qui viennent enseigner dans nos cours. Vous avez une petite photo, hein? Chaque trimestre, on a un concours de création de jeux en 48 heures sponsorisé par Ubisoft, Binox, et Frima, donc qui est là. On voit, il y avait 200 personnes à celui-là. Donc, chaque repas est commandité par un restaurant local. Et puis, il y a du café aussi offert par donc des restaurateurs locaux. Tout le monde est là, personne dort pendant 48 heures, puis on fait des jeux vidéo. Quelques cours que vous allez retrouver dans ce programme-là, le cours de conception de jeux vidéo, qui est un cours de design de jeu, des cours de programmation avec les moteurs de jeu, notamment Unreal et Unity. On a des cours de réalisation de jeux vidéo où on monte un portfolio. Et puis, on a une formule unique au Québec, c'est-à-dire que nous avons la chance à l'UQAC d'avoir la meilleure école d'art numérique et d'animation 3D au Québec, le NAD. Alors, tous les projets de jeux qui se font à l'intérieur de réalisation de jeux, des cours d'atelier de production, des autres cours, eh bien, on les fait en partenariat. Donc, on a des équipes de programmeurs qui sont formés à l'UQAC. On a des équipes d'artistes numériques animateurs 3D au NAD. Les équipes sont pairées bidisciplinaires. Les cours sont organisés ensemble. Donc, il y a toujours des équipes bidisciplinaires, ce qui nous permet de faire des qualités de jeu vraiment rehaussées. On travaille aussi avec des spécialistes du son pour nos musiques. Donc, on a des cours d'atelier de production jeux vidéo, hein, parce que quand on arrive en entreprise, pour aller travailler comme programmeur de jeu, on nous demande trois choses. On nous demande bien sûr un diplôme. On nous demande un portfolio de projets qui montre toutes les réalisations qu'on a faites et on nous demande de passer des tests techniques
habituellement en C++. Donc, il faut vraiment qu'on vous prépare pour ces trois volets-là, donc qu'on vous fournisse un diplôme ciblé, qu'on vous prépare à passer les tests techniques et qu'on vous fasse faire, à travers le programme, un portfolio riche et varié de jeux vidéo, idéalement même des jeux qui vont avoir gagné des prix. Donc, ensuite, on a des cours d'intelligence artificielle ciblés pour le jeu vidéo, des cours d'interface et d'expérience utilisateur, UX, UI, des cours d'animation par ordinateur, des cours de programmation réseau multijoueur en ligne, des cours de maths et physique appliqués aux jeux vidéo. Donc, on a vraiment des cours très, très, très ciblés. On a aussi, à la suite de ce bac-là, pour ceux qui ont un bac en informatique, par exemple, mais pas de spécialité en jeux vidéo, ou ceux qui veulent aller à un niveau supérieur au niveau du développement de jeux vidéo, une maîtrise unique au Québec qui est en informatique avec concentration jeux vidéo. Donc, cette maîtrise-là, elle vise à former des spécialistes en informatique qui ont des compétences avancées en jeux vidéo. On voit ici un jeu qu'on a créé donc avec des équipes d'étudiants qui a gagné 3 prix au concours d'Ubisoft en 2015. Donc, c'était un jeu qui, justement, était fait par des gens à la maîtrise et puis qui prenait des notions de physique avancée, de maths, tout ça, pour inverser de la gravité. C'était vraiment très bien fait. On a des cours de spécialisation avancée d'intelligence artificielle, des cours spécifiques pour intégrer l'interaction 3D et la réalité virtuelle, des cours avancés sur les architectures et la programmation parallèle sur plusieurs ordi en même temps. On a des cours de programmation avancée avec des moteurs de jeu. On a des cours de développement de moteurs de jeu aussi à la maîtrise. Donc, comment créer un moteur? On a des cours de laboratoire et on a plusieurs cours de spécialité, développement jeux sérieux, intégration sonore, des cours de design avancé. Donc, on a plusieurs types de cours différents. LUCAC, vous savez, ça a été nommé la meilleure école de jeux vidéo au Canada par le classement de Game Education, donc sur le site web que vous voyez. Ils ont fait des recensements sur tous les profils LinkedIn. Ils ont pris un échantillon de 2000 profils LinkedIn de gens qui étaient en industrie, puis ils ont regardé la provenance de ces étudiants-là, de ces travailleurs-là. Ils ont regardé la provenance de ces choses-là. Ils ont déterminé que c'est LUCAC qui avait le plus, donc, de finissants en entreprise avec, donc, les meilleurs postes. Vous pouvez d'ailleurs essayer, donc vous pouvez regarder le classement. Il y a d'ailleurs un article très complet sur nos programmes à LUCAC, ainsi que ceux de notre école d'art numérique qui était rédigé en anglais. Ensuite, vous pouvez essayer nos plus récents jeux qu'on a fait en 2019, 2021. Plusieurs de ces jeux-là sont disponibles sur notre plateforme itch.io, dont vous avez ici donc le lien. Donc, cette plateforme-là vous permet de regarder les trailers des jeux donc, qui sont sur YouTube, vous permet de télécharger gratuitement le jeu, de l'installer et de l'essayer. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je pourrai tantôt, quand on va arrêter peut-être le partage, ou je pourrai vous copier le lien donc, dans le chat. Donc, u4-dim.itch.io. Enfin, on a un baccalauréat qui est connexe, sans être directement dans l'industrie du jeu vidéo. Il est très utile parce que c'est une spécialité maintenant qui est de plus en plus en demande dans l'industrie du jeu vidéo et en informatique, c'est-à-dire la science des données et l'intelligence d'affaires, le data analytics, le business intelligence. Vous savez, on a beaucoup de données sur nos joueurs, beaucoup de données sur le comportement des joueurs, énormément de data. Comment on manipule, comment on stocke ce data-là, comment on le traite, comment on le résume pour être capable de prendre des décisions stratégiques en entreprise, comment on l'analyse statistiquement, comment on met de l'intelligence artificielle à profit pour extraire des tendances dans ces données-là, dans ces saisonnalités. Ben, c'est ça qu'un spécialiste en sciences des données fait. Donc, on a un programme unique au Québec qui a démarré à l'automne 20 qui vise à créer des analystes programmeurs en business intelligence. Donc, on forme des professionnels aptes à maîtriser le développement logiciel, la gestion des données dans une organisation à tous les niveaux, stockage, répartition, sécurité des données, manipulation, visualisation et tableau de bord, traitement statistique avancé, le forage de ces données-là, l'apprentissage machine. Donc, c'est vraiment un tout nouveau programme très en vogue actuellement.
Donc, on a des cours donnés par des spécialistes de l'industrie comme Introduction à la science des données et à l'intelligence d'affaires, l'apprentissage machine pour la science des données, visualisation de données et tableau de bord, les outils de programmation pour la science des données, l'informatique et l'industrie 4.0, l'analyse statistique des données de masse, le marketing numérique et les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un ensemble de cours tout à fait à jour qu'on a mis en place grâce aussi, donc à l'aide de nos collègues en industrie qui font ce métier. Donc, je ne voulais pas prendre plus de temps que ça pour faire la présentation des programmes. C'était très court parce que je préfère laisser la place pour pouvoir répondre à des questions. Je peux remettre la slide concernant nos jeux parce que la meilleure façon de savoir ce qu'on fait, c'est de regarder les jeux qu'on fait, de regarder la plateforme du programme en ligne. Donc, Alban, est-ce que tu voulais reprendre la parole? Hop. Oui, merci beaucoup, Bruno, pour cette présentation. Alors, je ne savais pas que c'était plus de 600 étudiants, hein, Lucas, hein, c'est ce que tu as dit tout à l'heure en début. Oui, ben en fait, c'est 620. En fait, c'est 620 cet automne. Ben, ouais, dans la slide, c'est écrit plus de 600, là, mais cet automne exactement, c'est 620 étudiants sur le campus de Chicoutimi. Ça exclut les 450-500 étudiants de plus qu'il y a à notre école d'art numérique animation 3D, ce qui fait au total plus de 1000 étudiants là, qui sont dans le jeu vidéo, en affaires dans le domaine de l'informatique, des technologies de l'information, ce qui fait beaucoup d'étudiants. Ce nombre d'étudiants-là fait qu'on a une masse d'étudiants, beaucoup. Chaque semaine, on a des entreprises qui viennent faire une présentation sur leurs besoins en stage, ce qu'elles veulent, ce qu'elles font, les opportunités d'emploi chez eux. On a ça chaque semaine. Notre calendrier est booké 6 mois d'avance. On a des clubs de Donjons Dragons, des clubs d'anime japonais. Il y a plein d'activités qui sont faites par les étudiants parce qu'on a une grosse masse d'étudiants, ce qui permet d'avoir énormément d'activités. C'est impressionnant. Alors, tu as aussi mentionné tout ce qui est R&D industriel en partenariat avec les entreprises. Oui. Ça me plaît. Est-ce que vous en faites beaucoup avec Lucac et les entreprises? Est-ce que c'est au niveau plus de la maîtrise, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est plus les professeurs qui sont des chercheurs? Je sais, toi-même aussi, tu travailles au sein d'un laboratoire. Comment ça fonctionne, cette recherche-là? Bien, les professeurs à l'université ont 3 mandats dans leur tâche. Un mandat d'enseignement, un mandat de service, mais un mandat de faire de la recherche scientifique. Nous, au département, tous nos professeurs ont des post-doctorats et sont des chercheurs affiliés à une de nos 4 grandes équipes de recherche. Donc, tous nos profs sont affiliés à une équipe de recherche, font de la recherche à différents degrés. Les 4 grandes équipes de recherche qu'on a font tous de la recherche avec des entreprises, différents types d'entreprises. Donc, il y en a qui font de la recherche avec Ubisoft, il y en a qui font de la recherche avec d'autres entreprises de jeux vidéo, il y en a qui font de la recherche dans le domaine de la santé. Par exemple, on a développé un jeu en partenariat avec l'Université de Montréal, donc le Centre de recherche sur les maladies mentales. On a développé un jeu vidéo sérieux qui permet de favoriser l'activité physique chez les personnes atteintes de troubles mentaux causant une sédentarité accrue. Donc, on a développé un jeu vidéo sur mobile qui est très entertainant, qui leur permet en fait d'avoir des récompenses s'ils font de l'activité physique puis s'ils en planifient, d'avoir des récompenses dans la vraie vie puis dans le jeu. Donc, ça permet de faire ça. Donc, ça, c'est le genre de recherche qu'on peut faire. On a de la recherche en réalité virtuelle, environnement immersif qui se fait avec plusieurs entreprises. On a aussi, par exemple, en sciences des données, moi, j'ai un gros partenariat de recherche en sciences des données avec l'entreprise d'assurance Cooperators, hein, une entreprise de 3 milliards de dollars qui, en fait, utilise toutes nos compétences en sciences des données et intelligence d'affaires pour travailler sur les données de ses clients, ses assurés, hein, pour maximiser la valeur puis la prise de décision stratégique en entreprise. On a des partenariats avec des entreprises industrielles pour le virage 4.0. Donc, on a énormément, en fait, il faut dire que la majorité du financement
À l'UQAC provient d'entreprises privées qui bénéficient donc de notre proximité là, de R&D. D'accord, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Alors là, tu as mentionné bon, plusieurs programmes. Si je reviens donc à votre nouveau programme en informatique là, de la science de données et de l'intelligence d'affaires. Oui. Alors celui-ci, il existe depuis combien de temps? Il a été inauguré à l'automne 2020. Donc, c'est un tout récent programme dont on est très fiers, puisque c'est le seul programme du genre au Québec. Il y a des programmes en intelligence d'affaires qui se donnent au Québec, beaucoup au niveau de la maîtrise, mais ils sont pratiquement tous, ou ben, la dernière fois que j'avais regardé, ils étaient tous dans des facultés d'administration. Donc, c'était ou de sciences économiques. Donc, c'est des programmes vraiment axés pour les décideurs ou les gestionnaires. Ce n'est pas des programmes d'informatique. Donc, on apprend à utiliser le data, à utiliser ces affaires-là, mais on n'est pas capable de le manipuler. On n'est pas des informaticiens, on n'est pas capable de le traiter, de mettre de l'intelligence artificielle dedans, de faire des choses. Donc, il n'y avait aucun programme provenant d'un département d'informatique qui traitait de ça. Donc, on a démarré ça et puis c'est très populaire. Franchement, les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues nous voir et qui sont intéressées d'avoir des finissants là, de ce programme. Et est-ce que dans le domaine, dans le secteur du jeu vidéo, est-ce qu'on va rechercher ce type de formation ou pas? Oui. Oui, c'est clair. C'est clair qu'ils ont besoin de... Ils ont besoin de spécialistes en business intelligence parce que, prenez, si vous avez un jeu en ligne, là, vous avez un tas de données intéressantes. C'est quoi votre taux rétention? Une journée, cinq jours, un mois, deux semaines. Vous avez des entrées, des sorties. Vous avez la progression des joueurs dans le jeu. Vous avez le nombre d'erreurs qu'ils font, le nombre de temps que ça leur prend à faire les tableaux, le nombre de fois qu'ils répètent. Si les joueurs vont trop bloquer à tel endroit, il faut qu'on ait des stats qui sortent en temps réel. Il faut qu'on ait des affaires pour dire les joueurs bloquent au niveau 7 sur tel défi. Il faut que le designer réduise ce défi-là. Il faut qu'on ajoute des power-ups. Parce que s'ils bloquent et ils se découragent, ben, ils vont sortir du jeu. S'ils sortent du jeu, ben, on perd un client potentiel pour notre free-to-play pour acheter des goodies dans le jeu. Ou on perd un abonnement. Ou on perd donc le data, surtout il y a de plus en plus de jeux en ligne, il y a de plus en plus jeux qui sont de type service. Donc ces services-là. C'est primordial. Ah, le data analytique est vraiment primordial. Tout à fait. C'est quoi le profil de ces étudiants-là qui vont s'inscrire à ce baccalauréat-là? Est-ce qu'ils viennent d'un DEC plus technique ou pas? C'est très varié, mais c'est bon qu'on parle des conditions d'admission hein, parce que pour ce qui est des bacs bac en développement de jeux vidéo, les conditions d'admission, c'est un DEC préuniversitaire ou un DEC technique en n'importe quoi. Et d'avoir les trois cours de maths du collégial, là, les calculs différentiels, calcul intégral et algèbre matricielle. Donc, si on a les trois cours de maths, si on ne les a pas, ben, on vous les donne à l'université en surplus, puis vous les faites pendant votre programme. Donc, pas de problème. Si vous avez, vous pouvez aussi vous inscrire sous base d'études universitaires antérieures. Si vous avez fait un programme universitaire à quelque part, vous avez réussi 15 crédits, c'est une base d'admission valide. Vous pouvez aussi être admis sous base d'expérience pertinente. Là, c'est à vous de monter un dossier, un portfolio, puis de l'envoyer avec le CV. Pour ce qui est de sciences des données, le profil, donc les gens qui viennent en jeux vidéo, souvent, ils viennent de sciences nature, ils viennent de DEC en informatique, ils viennent du préuniversitaire en maths info qu'il y a au collège, ils viennent, il y a d'autres provenances, mais souvent, c'est de là qu'ils viennent. Pour ce qui est de sciences des données, techniques administratives, c'est plus varié, en fait, là. Il y a beaucoup de gens qui viennent de toutes sortes d'horizons, qui ont fait... des génies électriques, puis ils viennent. Tu sais, c'est vraiment beaucoup plus varié. D'accord. Excellent. Pour le baccalauréat de développement de jeux vidéo, donc là, si j'ai bien compris, on parle en fait vraiment de programmation appliquer au domaine spécialisé en jeux vidéo. Oui.
Puis si j'ai bien compris, vous êtes le seul programme à offrir ça au Québec. Il Ouais, y a l'Université de Sherbrooke, ouais, c'est ça il y a qui Sherbrooke qui offre. offre un programme qui s'appelle Bac en multimédia et Bac en sciences du multimédia et jeux vidéo. Ce bac-là, en fait, est une refonte de leur ancien bac en traitement de l'image. Donc, c'est un bac qui est plus orienté traitement de l'image parce que c'est une refonte de l'ancien bac. Il y a beaucoup moins de cours ciblés en développement de jeux vidéo. Beaucoup plus de cours génériques en informatique et en traitement de l'image. C'est un programme c'est un programme qui se tient là, mais c'est un programme qui est beaucoup moins ciblé en jeux vidéo que le nôtre, qui vise vraiment tous les types de programmation, que ce soit le programmeur gameplay, le programmeur core system, programmeur réseau, programmeur UX UI, programmeur généraliste. Donc nous, on travaille vraiment sur tous les aspects. Disons que Sherbrooke, l'orientation traitement de l'image, ça forme plus un programmeur 3D. Pas mal ça, là. D'accord, ok. Donc, je comprends bien la distinction. Tu as parlé d'une chose qui était très intéressante dans le cadre de ce programme-là. Tu as mentionné les équipes bidisciplinaires. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, justement, sur comment Oui. fonctionnent vraiment ces équipes-là? Ouais. Ça, en fait, c'est un gros plus du programme. Les étudiants, puis les anciens finissants, puis les employeurs adorent ça. C'est que pendant plusieurs trimestres, les étudiants travaillent sur des vrais projets de jeu. On leur donne pignon sur rue. Ils ont un local attitré qui peuvent aller n'importe quand dans le jour, le soir. C'est comme s'ils avaient leur petite PME pignon sur rue. Donc, à chaque trimestre, ils développent leur projet de jeu. Ils sont pairés en équipe bidisciplinaire avec des gens, des designers 3D, artistes numériques. Animateurs. Donc, les équipes, il va y avoir par exemple 5 programmeurs, 5 artistes dans une équipe de 10. Les programmeurs sont au campus de Chicoutimi, les artistes sont au campus de Montréal. Ils doivent travailler en télétravail avec des outils comme avec Discord, avec Jira, avec des logiciels, avec des systèmes de versionning comme Git ou Perforce. Ils doivent travailler à distance comme ça, dans un contexte qui est très proche de l'industrie. Parce qu'en industrie, vous avez un studio à Québec, un studio à Montréal, un studio au Japon, un studio de l'autre côté. Donc, le travail d'équipe multidisciplinaire, transdisciplinaire, sur plusieurs sites. Donc, c'est vraiment un environnement très proche de ce qu'il va y avoir en entreprise. Et on a des coachs de chez Ubisoft qui viennent sur place pour coacher les équipes. Que ce soit au NAD ou que ce soit ici, puis ça, c'est quand on n'a pas carrément des professeurs ou des chargés de cours qui viennent de l'industrie, parce qu'on a à peu près la moitié des professeurs du programme, des enseignants du programme, qui sont des gens qui travaillent directement en industrie, soit chez Ubisoft, Beenox, on a quelqu'un de chez Unity, on a quelqu'un d'une firme qui fait des jeux pour les avions. On a plusieurs compagnies qui viennent enseigner, dont il y a des chargés de cours qui viennent enseigner directement dans le programme. D'accord. Est-ce que les étudiants doivent faire des stages en entreprise? Est-ce que, et si oui, est-ce obligatoire ou pas? À la maîtrise, on a un stage obligatoire de 6 mois en entreprise. Parce qu'il faut savoir que la maîtrise, c'est une maîtrise professionnelle. Ce n'est pas une maîtrise recherche. Donc, vous n'avez pas à faire un mémoire, à faire une recherche, à faire un livre, ça dépend. Non, vous avez 10 cours à faire de spécialisation pour vraiment avoir une surspécialisation en jeux vidéo. Et à la suite, vous avez un stage obligatoire de 6 mois en entreprise. Ça, les entreprises aiment beaucoup notre stage en maîtrise. C'est une belle durée, tout ça. Au bac, vous n'avez pas de stage en entreprise à la fin parce que, en fait, tout ce qui est les ateliers de production et tout ça, c'est comme si vous aviez un stage, mais à l'interne, avec des gens de l'entreprise qui viennent le superviser parce que les temps de stage qu'on aurait à la fin seraient trop courts. Les entreprises ne voudraient pas s'impliquer là-dedans, fait qu'ils préfèrent qu'on monte les portfolios sur place et qu'eux envoient du monde de chez eux sur place pour superviser nos ateliers en mode PME comme ça.
Est-ce que ça marche bien, justement, le fait de pouvoir que les entreprises pardon, puissent envoyer des mentors, en fait, des employés de chez eux? Est-ce que les entreprises arrivent, en fait, à les rendre disponibles, sachant que souvent, hein, les productions, les gens travaillent quand même assez fort? Donc là, je me demande au niveau de la disponibilité, est-ce qu'on arrive à les rendre disponibles, ces employés-là, pour qu'ils arrivent à coacher vos étudiants? Ça dépend des entreprises, mais disons qu'on a d'excellents partenaires. Par exemple, le bureau d'Ubisoft Saguenay est très, très généreux de son temps. J'ai des dizaines d'employés de chez Ubisoft Saguenay qui sont à l'université chaque semaine. Donc, ils Oui. sont vraiment très généreux. Très Bon, OK. généreux. Beaucoup de chargés de cours qui viennent aussi. Différentes entreprises vont avoir des ressources, mais toutes les entreprises qui contribuent, c'est une belle contribution. Par contre, c'est certain que les entreprises ont beaucoup à gagner parce que, dans le fond, un des gros problèmes actuellement, c'est la pénurie de main-d'œuvre. On a pratiquement 100 % de taux de placement. Écoutez, les entreprises cherchent, cherchent, cherchent. Donc, c'est sûr que d'avoir une présence sur place, d'avoir des espions sur place qui voient les étudiants, ça leur donne le premier choix au repêchage. Là. T'sais, ils peuvent aller dire à l'étudiant, hey, au fait, toi, ça te tente de nous amener ton CV, là, hein? Quand tu finis, on va reconnaître ton nom. C'est sûr que ça, c'est déjà du pré-recrutement, on va dire ça Hein? comme ça. Il y a du repêchage à l'interne, puis c'est correct. T'sais, nous, ce qu'on veut, c'est que nos étudiants soient bien, puis qu'ils puissent travailler. Puis on diversifie quand même là, les entreprises qui sont sur place. Évidemment, on ne peut pas se commettre avec juste une entreprise. Mais on a plusieurs entreprises qui sont des. Tu sais, comme pour la refonte du bac, on a eu GameGear qui est venu nous aider, Binox, Ubisoft. On avait quelqu'un de chez Gameloft à Montréal. On avait plusieurs spécialistes donc, qui sont venus nous aider pour mettre la mise à jour des cours. D'accord. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de bon, tout ce qui est savoir-être, savoir-faire. On fait beaucoup la distinction hein, maintenant de toutes ces compétences. On parle en bon français de soft skills. On a parlé aussi beaucoup de tout ce qui est communication, surtout en temps de pandémie. Hein, puis bon, tu as participé aussi bon, à tout un panel de discussions autour de la gestion de projet, puis bon, tous les logiciels maintenant qu'on utilise justement, surtout à distance. Les étudiants dans ce type de programme, justement, en plus en informatique, en programmation, on a souvent l'image là, la personne un peu plus introvertie derrière son écran, mais pourtant ça prend quand même de la communication, puis on fait partie d'une chaîne de production. Selon toi, Alors, justement, au niveau des soft skills, des compétences, plus, ben oui, plus de savoir-être, ce serait quoi en fait, les indispensables? oh ben en fait, la perception est vraiment erronée hein, parce que Oui. quand on est en informatique dans certaines boîtes, peut-être, là, mais un jeu vidéo, quand on crée un jeu vidéo, on crée une expérience utilisateur. C'est comme créer un film. On a un réalisateur, puis on a toute une équipe qui essaye de donner vie à la vision du produit du réalisateur. Là, c'est pareil, on a un designer, une équipe de design qui a créé une expérience utilisateur qui est pensée d'une façon cohérente dans son ensemble. C'est pas juste mon petit bout, le petit bout, c'est tous les bouts ensemble qui créent une synergie, qui forment une expérience utilisateur. En ce sens-là, là, il faut une collaboration synergique, intense, entre tous les membres de l'équipe. Et l'équipe est multidisciplinaire, donc c'est pas toujours facile, mais c'est extrêmement coopératif là. Vous allez pas être dans votre coin à programmer sans parler à quelqu'un longtemps là. Les gens se parlent toute la journée. D'ailleurs, les modes de fonctionnement, la gestion de projet Agile Scrum qui est mise en place favorise cette discussion-là. Quand on est en présentiel, on est dans une aire ouverte où il n'y a pas de mur, il n'y a pas de coupure entre les bureaux, tout le monde voit tout le monde. On a un grand tableau blanc au bout avec des colonnes, les tâches à faire, les tâches en cours, les tâches. On a notre écusson, on va le mettre dessus. Donc tout le monde peut voir le tableau tout le temps. Je vois qui fait quoi, quel écusson de qui est sur quoi.
On peut tous se parler, je peux me tourner de bord, me tourner de l'autre côté, me lever, parler à l'autre. On est en contact, on a un chat commun habituellement qu'on peut chatter toute la journée. On voit aussi dans notre log tout ce qui se passe durant la journée, bon, les tâches qui se terminent. Il faut aussi bien synchroniser hein, parce que c'est des gros logiciels, ça prend du temps à compiler. On ne veut pas écraser le code que notre ami a fait parce qu'on travaille sur le même bout de code que lui. On ne veut pas. Donc, mais les soft skills, la communication, la présentation, les compagnies préfèrent en fait embaucher des gens qui sont un peu moins bons techniquement au départ, qui vont former, parce que c'est plus facile de former quelqu'un sur les hard skills techniques que de former quelqu'un sur les soft skills. Donc, s'ils voient que c'est une personne d'équipe, bon collaborateur, capable de s'exprimer, capable de bien s'intégrer, bien travailler en équipe, bon, ben, ils vont avoir tendance à le prendre. Je comprends. Et dans les programmes là, de baccalauréat ou de maîtrise, justement, est-ce qu'il y a une présentation des différents corps de métier? Puis de tout ce qu'on fait au niveau de la chaîne de production pour que justement un programmeur comprenne bien où son travail commence, là où il s'arrête, puis dans quelle chaîne de valeur il se retrouve en fait. J'imagine que oui, mais c'est comme on n'a pas tout décortiqué dans les détails. Oui, tout à fait. Ben, écoutez, dans le cours d'introduction au programme, on présente toute la chaîne. On commence par ça, présenter les métiers, présenter la chaîne. Puis après, ben on travaille ces soft skills-là tout au long du programme en faisant faire, en faisant pratiquer en équipe, en mixant les équipes. Dans les devoirs, on fait des bifurcations. On ne peut pas toujours travailler avec le même partenaire. Presque tous les travaux qui se font dans le bac se font en équipe. Donc, on mise beaucoup. Il y a des présentations à faire. Il faut venir faire les pitchs de jeux qu'on a inventés, qu'on a designés. On va faire plusieurs pitchs de plusieurs essais de jeux. Il faut vraiment travailler ces soft skills-là. Puis, on introduit dans pas mal tous les cours du programme des façons donc de travailler ces soft skills-là en même temps qu'on travaille le technique. D'accord. Et au niveau des spécialisations pour la programmation, j'imagine que, bon, c'est ça, vous formez à différentes spécialisations. Donc, on a vu qu'il y avait différents langages de programmation. Est-ce que vous avez différentes classes de spécialisations qui sont les principales? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Ben, en fait, en l'industrie en général, quand on intègre l'industrie et qu'on sort de l'université, on va être embauché comme programmeur junior, programmeur généraliste junior. C'est pas mal le on peut pas vraiment entrer en industrie en étant programmeur spécialisé. Un peu, là, programmeur gameplay, oui, c'est accessible au début. Certains types de. Nous, on forme un programmeur. On forme pour le métier d'entrée qui est programmeur généraliste. Ça, on forme de façon très, très stricte et rigoureuse pour être capable de bien faire ça en sortant. Et on forme sur les principaux types de programmation, que ce soit l'intelligence artificielle, le réseau, le core system, le gameplay. Donc, on donne une bonne base dans chacun de ces éléments-là pour pouvoir cheminer vers ces métiers-là ou d'avoir un poste junior dans une équipe de ces métiers-là. Si on veut vraiment se surspécialiser, il faut aller à la maîtrise parce que juste 3 ans, c'est juste ce que ça prend pour être capable de faire un bon programmeur généraliste de jeu qui va être excellent parce que c'est long d'avoir le niveau technique attendue pour des productions AAA comme chez Ubisoft à 300-400 millions de la production d'Assassin's Creed. Là. 3 ans, c'est pas trop, puis ça prend un niveau très avancé en C++, puis avec les outils, avec les moteurs de jeu, compréhension, manipulation de ces moteurs-là. D'accord. Alors, en parlant justement de la maîtrise, est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants qui font le baccalauréat et qui passent après à la maîtrise, justement? Oui, on en a pas mal. On en a de plus en plus. D'ailleurs, c'est étonnant parce que vu comment
vu comment les studios les sollicitent à la fin de leur bac pour aller tout de suite travailler, c'est étonnant. Mais on en a de plus en plus parce qu'ils trippent hein, au bac, ils aiment ça, ils font des jeux, ils ont leurs amis, ils ont leur environnement, ils peuvent créer les jeux qu'ils veulent parce que c'est eux qui décident des designs de jeux qu'ils font. Hein. On a une belle flexibilité là-dessus. Puis ils participent à des concours, on fait participer, comme vous voyez à l'écran, Chiplay. C'est la conférence ACM Chi, c'est une conférence internationale. Ça, c'est un prix qui a été gagné en 2020 lors d'une conférence internationale, concours international de jeux. On participe au concours de l'association du logiciel ludique du Canada. On participe au concours Ubisoft à chaque année. On participe à tous les concours qu'on peut. Puis, ils trippent. Fait qu'après, ben, ils veulent, ils disent, ben, faire un an et demi de plus parce que la maîtrise, dans le fond, ils font un an et demi. Puis après, ben, l'autre demi-année, c'est leur stage en entreprise. Donc, ils disent, je vais faire une année et demie de plus, je vais me surspécialiser, ça va être le fun, m'a trippé. Puis, en plus, je vais avoir mon stage en entreprise. Entre guillemets, presque garantie à la fin de ma maîtrise. Ça va être parfait. Tout à fait. Alors, la question, est-ce qu'il y a des filles qui s'inscrivent dans les programmes de baccalauréat et de maîtrise, et puis même celui en informatique de la science des données? Je suis curieuse à ce niveau-là. En science des données, oui. Ouais. Science des données, il y a beaucoup plus de filles. Science des données, on peut parler d'un 60-40. Là, 60% d'hommes, 40% de femmes. Ouais. Ce qui est similaire aux inscriptions, par exemple, en sciences administratives, en comptabilité, en ces choses-là, c'est des chiffres qui se ressemblent. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de programmation de jeux, développement de jeux, c'est principalement des hommes. Il y a peut-être un 15% de femmes qui sont là. On aimerait en avoir plus. Elles sont très bonnes quand elles sont là, souvent. Ils ont beaucoup de rigueur. Ils ont beaucoup de. C'est sûr qu'au niveau des artistes, là, oui, là, il y a des niveaux. Ouais. Les designers numériques, animateurs 3D, modeleurs, tous les métiers de l'art numérique, là, il y a beaucoup plus de femmes. Mais les métiers plus techniques au niveau de la programmation, on aimerait avoir beaucoup plus de femmes dans ces métiers-là. On est très ouvert. De toute façon, on a tellement besoin de main-d'œuvre, on refuse, on n'est pas contingenté, on refuse aucun étudiant qui a les prérequis, on les refuse pas parce qu'il y a de l'espace en entreprise. Donc, tout à fait, tout à fait. Puis peut-être une de mes dernières questions, est-ce que après avoir fait par exemple un baccalauréat en développement de jeux vidéo, est-ce qu'il y en a qui vont justement à l'école NAD, plus pour aller peut-être en création 3D, en se disant, bon, j'ai le volet plus programmation, puis maintenant, ça me tente d'être plus dans la création 3D. Est-ce que ça arrive de temps en temps ou c'est vraiment très, très rare ou ça n'arrive jamais? Ça, c'est rare parce que les gens qui ont des intérêts pour l'art numérique, les gens qui ont des intérêts vraiment pour la programmation, le développement, souvent, c'est pas des gens qui ont les mêmes intérêts. Ouais, par contre, là où les deux se rejoignent, c'est au niveau du design. Ça arrive que les gens font le développement de jeux, programmation, puis qu'après, ils veulent faire un deuxième cycle, mais en design de jeu. Donc, vraiment, définir les concepts du jeu, définir les caractéristiques, les règles, les défis, les mécaniques du jeu. Ça intéresse les programmeurs et ça intéresse les artistes aussi. Donc là, les deux se retrouvent là-dedans. Il y a un programme de DESS, donc de deuxième cycle, en design narratif de jeu. Mm-hmm. Et là, il y a des gens de chez nous, des programmeurs qui transfèrent au NAD pour aller faire ce DESS-là en design. Et il y a des artistes qui vont faire aussi le DESS en design parce que les deux veulent concevoir le concept. C'est comme si on écrivait le script du film. Concevoir le concept du jeu. Oui, c'est comme complémentaire. Puis c'est vrai que finalement, les programmeurs, ils programment ces règles du jeu dans un sens. Donc, tu peux comprendre vraiment l'intérêt de ces programmeurs à aller après vouloir créer l'histoire et ces règles-là. Donc, oui, tout à fait. Ça fait bien du sens. Ben, un grand merci. Je ne sais pas si tu voulais juste rajouter quelque chose, mais je pense que... N'hésitez pas sur le campus, on a énormément d'étudiants. En plus, le campus de Chicoutimi,
Les loyers sont pas chers, tout est à distance de marche, tout est dans le même quadrilatère. C'est une vie agréable, ville de plus de 100 000 habitants, la plus sécuritaire au Canada. Vous pouvez vous promener à 3 heures de la nuit, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est vraiment un bel endroit de vie et d'apprentissage. Tout à fait. Ben, écoute, un grand merci, Bruno. Je te souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée. Il fait noir, les lumières se sont éteintes de mon côté. C'est par capteur de mouvement. Mais merci beaucoup pour ta présentation, ta collaboration. Puis je te dis à très bientôt. Merci à vous, là. Au revoir. Merci. Bye.